on est à tes nouvelles installations. Évidemment, c'est la, donnons l'adresse en partant. 13-14 chemin Chambier à Longueuil. C'est notre nouveau gym de boxe. En fait, anciennement, c'était le World Fitness. Puis moi, j'avais le AK Boxing qui était un peu plus proche. Ouais. Et on a décidé de faire comme fusionner les deux ensemble. Alors voilà, j'ai acheté le gym ici. Et maintenant, le gym, c'est World Fitness et AK Boxing. Et voilà, je vais vous faire un tour. Vous allez pouvoir voir, c'est un gym de 15 000 pieds carrés. On est passé de 3 000 pieds carrés à 15 000 pieds carrés en moins d'un an. Ouais, en moins d'un an, alors on a des vestiaires, on a le sauna, on a le ring de boxe, on a toutes les machines, les meilleures machines. Tu veux faire le tour, Mag? Ouais, je vais vous faire le tour. Section cardio, ouais. On a une section cardio, une petite zone d'étirement. On a les machines, tout ce qui est jambes, c'est toutes les machines d'entraînement, c'est des hoists et des Atlantis, alors c'est comme la crème de la crème pour ceux qui sont en musculation. Puis de l'autre côté, on a le meilleur de la boxe, alors on a notre section boxe là-bas. Donc c'est ça, pour le monde qui veut entraîner leurs jambes, c'est section plus vers l'entrée. On a la section cardio aussi. Hey, je pourrais pas manquer ça. T'as bien fait, je suis content de te voir. On va aller dans cette section-là. On va aller un peu plus. Tantôt c'était les jambes, là ici c'est... Écoute, le monde pourra venir, pas juste faire de la boxe, pourra venir. Non, mais c'est ça, ils vont venir. Ouais, exactement, ils vont vraiment pouvoir venir faire la musculation. Puis en même temps, c'est cool, tu fais ton set. Puis entre tes sets, au lieu de chiller sur ton téléphone, ben, tu regardes le monde boxer et tout. C'est comme c'est un concept qui est un peu plus style américain. Mais je pense que c'est quelque chose qui va être le fun pour le monde. Ça va être différent. C'est sûr que tu peux pas plaire à tout le monde, mais c'est sûr que la majorité des personnes qui vont venir, ils vont aimer ça, ils vont avoir du fun et tout. J'ai fréquenté beaucoup les gyms aussi. Je pense qu'il faut pouvoir plaire à tout le monde. Je suis désolé de te contredire. Merci. T'as juste arrangé le dumbbell. Ouais, ben, je pense que ça me fait jusqu'à 150 livres, mais c'est ça. Je les ai mis là-bas, on sait pas trop qu'est-ce qu'on va faire encore avec. Puis évidemment, bon, les bench press, les toutes les genres de barres à halter. Là, directement l'autre barre aussi, c'est quoi? C'est d'autres machines? Exactement. Ben, en fait, cette section-là, ça, c'est un peu plus comme les poids libres où que le monde vont mettre leur poids à l'intérieur. Okay. L'autre côté, on a fait un peu plus en sorte que ça soit des machines genre plug and play, on peut dire. Là. Exact, tu vas juste rentrer et tu t'entraînes. Alors, ouais, tout ce qui est bras... Il y a de la place pour le nombre de machines qu'il y a quand même. On s'en respire, tu sais. J'ai vu des gyms où c'est compacté. Ben, honnêtement, ce gym. La première journée que je suis rentré, si je te montre, tu vas dire que t'étais trop serré. Les machines étaient trop compactées. Puis, alors là, je me suis dit, est-ce que je vais être vraiment capable de mettre ma section boxe? Mais finalement, on a réussi à le faire là. Alors, section de boxe, c'est le mot magique. Ouais, exactement. Ben, c'est ce qu'on aime le plus. Hein. Et je connais ce petit bout de femme là, moi. Ouais. Les sacs. Ouais, ben on a le ring qu'on avait au AK Boxing. On a la section de sacs. En fait, la manière qu'on a mis les sacs, c'est comme plus pour faire comme une division entre la section boxe et muscu. Exactement. Puis c'est ça, on a quelques machines pour faire des circuits de ce côté. Puis on a... Tu peux venir. Ok, on continue. Ouais. Bien, je vais te montrer... Manuel. Dans le fond, on a fait quand même une grosse section ici pour la boxe. Dans le fond, lorsqu'on a des cours de groupe, on est plus ici. Puis si disons Pierre veut venir s'entraîner en entraînement libre après sa musculation, ben il peut juste aller frapper son sac là-bas. Il peut aller faire ses trucs là-bas aussi. Alors voilà, c'est pas mal complet. C'est pas mal complet. Salut tout le monde. T'as fait le tour un petit peu ici, DJ? Je viens juste d'arriver, mais je vous ai suivi, j'ai écouté un peu, je vois le concept. Écoute, c'est spécial, c'est vraiment débile, c'est sharp. Puis je vais te donner un in. Maz m'a demandé de donner des cours aussi, ramener mes comédiens. Fait que je vais ramener des comédiens ici. J'en ai une couple, Stéphane Roy, Pierre Paquin, Stéphane Rousseau. Fait que je vais me remettre dans le bain. Pour Maz, ça va être vraiment sharp. Je lui souhaite tout le succès du monde parce que, grand même, ça prend du monde. Ça faut que ça bouge parce que les gyms aujourd'hui souffrent tellement. Tout le monde dit qu'ils s'entraînent, mais ils s'entraînent à leur façon. On les voit pas dans les gyms. Comme ça, ce ring-là, tu risques de le fouler. Oui, mais j'aime ça parce que, tu sais quoi, ça, c'est une boîte à lettres, hein? C'est une boîte de téléphone. Fait que les gars qui vont mettre les gants là-dedans, là... Ça n'aura pas de courir trop longtemps. Pas en tout. Hey, ça, c'est le fun. J'y sens que la caméra dans la face. Bon, mais tu peux l'habituer. Je suis gâté à ta barouette. C'est bon. Hey, premier coup d'œil sur le nouveau gym à Mal. Super bien. Première impression, c'est excellent. Oui, je trouve ça super bien. Aéré. Très grand. Chaleureux en plus. La pizza à l'entrée, c'est le fun. Ça, c'est pas ça, il va en avoir tout le temps.
T'en as vu, t'en as probablement vu encore plus que moi les gyms. T'as un gym de classe, de pratique internationale, t'as tout là. Ouais, exact, mais c'est bien situé surtout. Moi je trouve que c'est vraiment bien situé. Puis au deuxième étage en plus, on a la vue sur la rue, etc.